On est pitoyable, on est dommage. Le Guinéen, on ne connaît pas la politique. On bat la politique, Tongo. On prend la politique parentale. J'ai deux volets dans ce live. Voire même trois volets dans ce live. Le premier volet, je vais parler de la gouvernance du feu président général Lansana Conté, sa fin. Et le deuxième volet, je veux parler aux Guinéens en général et à mon parti, l'UFDG. Le troisième volet, je vais parler aux jeunes, c'est-à-dire moi, la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui. C'est les trois volets-là qui sont dans ce live. En parlant de la gouvernance du feu général Lansana Conté, on doit comprendre quoi dans ça? On doit comprendre que Conté est venu pour rassembler tous les Guinéens. Dans cette même gouvernance de Lansana Conté, le CNRD doit beaucoup s'inspirer de ça aujourd'hui, comprendre que leur mission majeure, leur mission principale, c'est de réconcilier les Guinéens. La Guinée aujourd'hui, le Guinéen est divisé. La Guinée aujourd'hui, le Guinéen ne veut pas entendre parler de son prochain. Quand il était au pouvoir, c'était un soussou. La plupart des gens dans son administration, c'était des cadres soussous dont il a eu confiance, dont il a approché. À travers ça, ces cadres se sont enrichis, ont eu beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et ces mêmes cadres ont trahi le feu général Lansana Conté pour leur propre profit à eux. Maintenant, quand on veut parler aujourd'hui de Sosoka, 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 quel est le père de Sosoka? C'est qui le père de Sosoka? C'est le feu général Lansana Conté. Et ce feu général Lansana Conté, il a œuvré pour ne pas que la Guinée sombre dans la division. Il a fait créer le multipartisme. Il a mis les Guinéens dans le même assiette. Il a rassemblé les Guinéens. Et là, il perd la vie. Tous les cadres sous-sous qui étaient avec eux l'ont trahi. Quand on veut parler de Sosoka, 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 l'héritage que Conté a laissé, qui a préservé cela? L'héritage que feu général Lansana Conté a laissé, qui a préservé cela? Aucun cadre. Au contraire, ils l'ont trahi au profit d'Alpha Condé. Au profit d'Alpha Condé. Ils sont là, ils sont connus, reconnus. Et moi, je n'ai... Au fait, je ne vais pas rentrer dans un débat de clash ou de quoi. Si tu es cadre sous-sous, tu payes des gens pour moi me clasher parce que tu as essayé de me corrompre, ça n'a pas marché. Je te dis carrément, on est tous des enfants de la Guinée, on est tous des enfants de la basse-côte. Je ne vais pas insulter les parents de quelqu'un, je ne vais pas injurier quelqu'un, mais je vais critiquer quelqu'un. C'est ce qui est clair. Je n'insulterai jamais parce que ça, ce n'est pas de mon éducation. On ne m'a pas donné cette éducation-là. Et je ne vais pas clasher quelqu'un. Mais si je vois des choses qui ne m'arrangent pas et qui n'arrangent pas le pays, pas à cause de 1 million, 2 millions, 500 000, je ne marcherai pas Mayama, Mousso Mayama. Donc, Conté a perdu le pouvoir en mourant au pouvoir. C'est Fode Bangoura et tous les groupes cadres sous-sous qui étaient aux affaires. Qui a pu préserver cela? Le lendemain, Dadis n'a pas fait le coup d'État. Est-ce qu'en ce moment, pour partir aux élections, les Fode Bangoura, les cadres sous-sous, est-ce que l'Orokéré, ils se sont dit ensemble de s'asseoir pour préparer PUP? Pour préparer PUP.
Est-ce qu'ils se sont dit ça ensemble pour préparer PIP, la basse-côte? Quand on va parler, quand on parle de la basse-côte aujourd'hui, en critiquant nos cadres sous-sous, il faut qu'on l'accepte parce qu'on a tous été là à un moment donné pour critiquer ça. La bauxite, c'est où? C'est en basse-côte. La bauxite, c'est où? C'est en basse-côte. L'aluminium, c'est où? C'est en basse-côte. La bauxite à Kindia, l'aluminium à Fria. Les mines, c'est où? C'est en basse-côte. Boké, Bofa. Maintenant, prenez tout ça là. Tout ça là, c'est en basse-côte. Maintenant, déplace-toi. Irasiga basse-côte. Tu pars en basse-côte. La basse-côte seulement est plus riche que la France. La basse-côte seulement est plus riche que la Hollande. Est plus riche que les États-Unis. La basse-côte seulement. Sans compter la Haute-Guinée. Parce que nous sommes le deuxième importateur de bauxite au monde. Après l'Australie, Wintaramfam. Maintenant, avec tout l'héritage que le feu général Lansana Conté, président, a laissé et que nos cadres n'ont pas pu maintenir cet héritage, seule une seule personne, ça j'ai appris ça récemment. Il y a un monsieur qui est venu un jour dans ma page pour parler de ça. C'est l'ancien ministre des Finances. Et monsieur Cheikh Camara, c'est monsieur Cheikh Camara, l'ancien ministre des Finances, c'est lui qui organise le FIDA ou le feu général Lansana Conté depuis 13 ans. Cheikh Camara, depuis 13 ans, c'est lui qui organise les FIDA ou sacrifices du feu général Lansana Conté, qu'il n'a jamais voulu parler, il n'a jamais voulu se montrer. Pourquoi? Parce que cadres Soussou ne sont pas d'accord entre eux. Pourquoi il y a eu le chèque? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que Bolo Tonnerie et Bolo Canari, ils sont aigris contre les uns contre les autres. Ils prennent des enfants et du Mera clan créé B, du Mebora clan créé B, du Mebora clan créé B, ils distribuent de l'argent aux jeunes, aux enfants, au lieu de contribuer à la réconciliation des enfants de la basse-côte, à la réconciliation des enfants de la Guinée, pour que nous puissions émerveiller, devenir encore un pays plus que tout ce qu'on n'a pas rêvé. Bauxite na au moins, aluminium na au moins, mine na au moins. Partez dans les mines, partez dans les mines à Boké, Bofa. Les enfants Soussou sont des manœuvres là-bas. Tu ne verras pas les enfants Soussou qui sont, c'est-à-dire des directeurs, qui sont les chefs. Les enfants Soussou sont des manœuvres. C'est-à-dire, les travaux les plus difficiles, c'est les enfants Soussou qu'on met dedans. Et la Gourounakoui, Bendès et Gourouma et Farah. Au profit des Chinois. Au profit des Chinois. Nabil Nabarbi, tout ceci là, ça s'est passé devant nos cadres de la basse-côte. Alors, renseignez-vous. Combien de fois ils ont des mines à leur propre nom, des sociétés minières à leur propre nom, au profit de la jeunesse guinéenne. Après, quand ils veulent, on te donne 10 millions, 5 millions, c'est des combi, c'est des ifalabé, c'est des ifalabé. Pour ne rien du tout. En grosso modo, l'échec aujourd'hui de la basse-côte, c'est parce que tout le monde fait la jalousie. Moi, on peut me faire la jalousie. On peut me haïr parce qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne plaisait pas à tout le monde. Tout le monde ne l'aimait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le contredisent, qui n'est pas le prophète. Alors, moi, ça n'enlève rien à moi. Ça me grandit plutôt. Ça me grandit. Je suis sur cet réseau-là. Depuis plus de combien d'années? Beaucoup de choses se sont passées. Mais ça ne m'a jamais rabaissé, ça ne m'a jamais diminué. Ça, au contraire, ça m'a plutôt grandi. Et je suis toujours là. Donc, rien ni personne ne peut moi m'éteindre sur les réseaux sociaux. Rien ni personne ne peut m'éteindre sur les réseaux sociaux.
Maintenant, quand tu meurs, les cadres soussous sont divisés. Chacun part dans son camp. Fode Bangoura confisque le peu, il peut à sa guise. Les autres partent chez Alpha. On part aux élections de 2010 parce qu'ils sont divisés. Sidia est de quelle région? De la Basse-Côte. On part aux élections. On envoie le président Selou et Alpha Condé au second tour. Sidia n'arrive pas à s'entendre avec Alpha Condé, il soutient Selou Dalin. Sidia soutient Selou Dalin. Il est de la Basse-Côte. On s'est tous dit oui, ah, c'est fini, Selou est devenu président. Parce que au premier tour, tout le monde voyait même Sidia comme président. Parce que toute la Guinée a voté pour Sidia Touré. Les Peuls ont voté pour Sidia, les Malinkés ont voté pour Sidia, les Soussous ont voté pour Sidia, les Diakanké, tout le monde a voté pour Sidia Touré. Pendant les élections de 2010, premier tour. Maintenant, Sidia part soutenir Selou Dalin. À cause de d'autres groupes de la Basse-Côte qui sont partis chez Alpha, qui ne veulent pas que la Guinée se réconcilie, la Guinée ralent, ils font tout pour ne pas que Selou Dalin devienne président parce que Sidia est parti là-bas. Ils font tout pour ne pas que Selou Dalin devienne président parce que Sidia est parti là-bas. Autant Fulina Mali Mira Fendi Benguera. Au Fulina Mali Mira Fendi Benguera. Donc, il manœuvre. Alpha Condé devient président. Avec tout ce qu'on a connu déjà. Sa malgouvernance, la division, la haine. Combien de militaires soussous aujourd'hui, des vaillants soldats, les Sama Panival Bangoura, l'un des plus grands héros de l'armée guinéenne qui a été éliminé. Onemounenida, qui a été éliminé sauvagement à Kindia. Les Sama Panival Bangoura. Paix à son âme. Combien de cadres soussous, militaires soussous, ne sont plus dans l'armée guinéenne? On les a tous envoyés à la retraite. On se fait falama. On a falama, on a falama na kiné. A Kenyama. On malam. On malam manon dinam fari. On siga. Groupe qui est en télé. On a se fait on a malam. On a falade à te a boadere. Allo tumbui. Mais non dit Fali, groupe qui est intérêt mal. Combien de cadres soussous que moi j'ai trouvé au Sénégal de l'armée guinéenne? Mes frères, j'avais même fait une vidéo sur ça. Qui ont fui la Guinée et faux coup d'état raté vénéré Rouma. Combien de cadres soussous militaires qui sont aujourd'hui au fin fond? Au fin fond! Oui, et les réaffecter, ranigner, il est mon couillé et bien écarté. Pourquoi? Parce que au ma bonne fani ya wonara barene, ha wonem wonyete kan na ha mfan wonbe wonaluna. Wona fala o mbira ifora. Mais ne barato, wo mu fa fe sigade na kui. On est en train de sortir dans ça, ils veulent qu'on soit mélangé avec les peuls. Pour se retourner contre les peuples. Tout le monde peut soutenir. Bili Nomara, on peut soutenir Ibaribori. Mon commandant, je suis en live. N'y a ni rien. Moi, si la vidéo, ma, Yandi. Ah ouais, non, ma téléphone, ça. C'est un cadre soussous militaire qui m'a appelé comme ça. Wallahi, billahi, tallahi. Il n'est plus aux affaires. Un commandant de l'armée guinéenne, wallahi billahi, sur le Saint-Coran, sous-sous. On sait tous qu'au temps de feu général Hassan Conté, dans l'armée guinéenne, il y avait les cadres sous-sous qui étaient les hauts gradés. Il y avait les cadres peuls qui étaient les hauts gradés. Il y avait les cadres malinkés qui étaient les hauts gradés. Mais regardez l'armée guinéenne aujourd'hui. Où la Guinée sort et matoto. Du général jusqu'au Lakoudou.
c'est une seule région. Nanambo. C'est une seule région. Compte la Guinée malan, la Guinée dit malan, la Guinée dit ça c'est kirenkui. Wala ma wonga na héritage n'en préserver. Montan lance la compte la héritage n'en préserver. Moussa ma ina ma réconciliation. Wonga la mou fala ri. Era siga bore parce que barbore da. Quand mou lance la compte Moussa Louda la vindi ma premier ministre. Lance la compte à Moussa Louda la vindi ma premier ministre. À manike vindi ma premier ministre. A Forestier Finara, premier ministre là. Yo, on t'a la Guinée dit. On l'a ma ou on va l'inek. Si il y a part de Selou, on manœuvre tout pour que Selou échoue. Selou échoue aux élections. Si il y a reste dans sa position, Baïdi et les autres partent en exil. Parce qu'ils ne voulaient pas d'Alpha Condé. Parce qu'ils étaient dans la réalité, c'est-à-dire dans le vrai combat contre Alpha Condé. Ou on masse ce cadrement, divisé. Ils ont tout fait pour que les Baïdi soient d'accord avec Alpha Condé. Pour que Wontan jeunesse soussou, ou manga sa rambi. Pour que Wontan jeunesse soussou, ou manga sa rambi. J'ai expliqué ça. Quand il y a une polémique sur Baïdi, Baïdi n'était pas Alpha Condé. Baïdi n'a jamais voulu d'Alpha Condé. Mais Wombi Akolo, on sait tous que dans notre pays, on a des gens qu'on respecte, des parents qu'on respecte, qui peuvent nous parler qu'on ne va pas écouter. Ils ont parlé à Baïdi, ils ont tout fait pour que Baïdi se réconcilie avec Alpha Condé. Et là, on a fait un Ibekata. Nabara nyeto so se fe bara sa kambi. Ibekata. Nabara nyeto se fe bara madbile ngambi. Kawo ngwama so se fe ya la mfe. Ona ya la manondi na mfari. O malakine khasiga yari. Ona ka fala wonga mirinde opprimé ou bien wonga bori défendu ou bien wonga sa bori de. O mbili sa c'est ça qui se kere nkui. Allo womba balance na konti. On tanu la sa na konti. Araba kiana. Araba Kiana. Maintenant, asseyons-nous aujourd'hui avec le même système là qui est en train de continuer. Et là, ils vont nous mélanger ensemble. Et on nous mélange. Pendant que il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer en coulisses. Wombari Bori. Wombietemire. Alia Kamari, ni na Wombar, la Guinée Tore. Mais bari souri bari sa gueule. Amoussima, assoussoué nira. Et ni lui ferma. Et coup d'état là-bas, manira. Assoussoué pouvoir récupérer. Assoussoué nira. Et ni lui ferma. Et pouvoir bas, manira. Assoussoué pouvoir récupérer. Donc, sous ce fait, à Folori, l'ensemble compté. Womba ba compté. Rafare. Womne mounama. Birin divisé. Oma kadre sa reboro kon. Hala va konde ra gouvernement. Même dans le gouvernement d'Alpha Condé, il y a des cadres. Des cadres sous-sous. Ils ne s'entendaient pas. On a vu Mwalim Touré ici partir sur Djoma TV. Dire que Baïdi ne fait que enceinter les jeunes filles. Un Mwalim Touré, cadre sous-sous. Qui est proche d'Alpha Condé, à sa radio, à sa barbore sous-suit, d'oro, à la dénigrer. Ils ont tout fait, les cadres sous-sous là, pour que Antonio Soare perde Guinée Games, pour que Antonio Soare perde la présidence de la Fédération Guinéenne de Football. Et me mélanger, me diviser. Moi, j'ai des dossiers. Où nous, la Guinée, on a une réconciliation qui nous fait mal. Dans le dossier, il y a un iPhone. Il y a un dossier qui nous fait mal. Il y a un fichier. J'ai des dossiers. Preuve à l'appui. Mais je me dis, les gens sont des pères de famille. Les gens, c'est des pères.
personnes responsables, quels que soient leurs dégâts, on peut les critiquer, mais on ne peut pas atteindre à leur dignité morale. Parce que j'ai cette éducation-là. Mais je parle en connaissance de cause. Donc, elle luttait. Ils ont lutté. Tout fait. Antonio Soare a perdu la présidence de la Fédération Guinéenne de Football. Parce que la Guinée Football, ça partait devant. Aujourd'hui, on est où? Fode Bangura, Mouting ne peut y peindre. Mais il bête, ou à mon force, préparation bête la badi. Bafi. Maintenant, on y va Scott Mbéré. Ceux qui suivent dans les maintenant, ils veulent corrompre des gens pour abandonner ce combat s'ils n'arrivent pas à te corrompre. Et voilà, pour te dire, c'est rentré sorti comme ça. Pour te rabaisser, c'est rentré sorti comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Amoulam Maleki. Amoulam Maleki. Amoulam Maleki. Ça, c'est le premier volet de ma vidéo de ce matin. Parce que je vais aller regarder le football. Deuxième volet, je viens dans mon parti, l'UFDG, mon engagement dans ce parti. C'est sincère, comme tout le monde le sait. Il faut qu'on se prépare, parce qu'on n'est pas aimé. Il faut qu'on se prépare, parce que d'autres sont tout en train de tout faire pour que notre président échoue. Il n'a rien fait de mal à personne. Sinon, en tant que Guinéen, quand on calcule le problème de la Guinée, on a besoin de réconciliation. Et cette réconciliation, si on veut que ça avance, c'est lui a cherché le pouvoir pendant 13 ans. Il a gagné des élections. Il a gagné des élections, mais il n'a jamais été président. Pourquoi ne pas donner 5 ans à Selou juste pour le regarder? Si Selou ne fait rien, si Selou quitte, est-ce que le parti de Selou ou quelqu'un d'autre va parler pour Selou ici? Quelqu'un d'autre aura la parole pour parler ici? Non. Maintenant, réconciliation, réconciliation. Il faut que ça commence à la base. Il faut qu'on se lève dès maintenant. Parce que regardez l'affaire de la fille Fatou Nyeroué, la mythomane. Regardez son affaire. Elle parle sans aucune preuve. Preuve Yomaï. Elle insulte le président Selou. Elle manque de respect au président Selou. Elle insulte la famille du président Selou. Ceux qui la condamnent pas sont connus. Ceux qui la soutiennent sont connus. Mais parce que c'est sur Selou, les gens veulent que Selou échoue. C'est pourquoi personne ne le soutienne. Elle n'a aucune preuve. Il y a eu sextape vidéo sur Baïdi Haribo ici. Sextape vidéo, la preuve. Tout le monde a vu Baïdi Haribo nu. Tout le monde a vu Baïdi Haribo nu. On est tous sortis pour condamner ça. Tous sortis pour condamner ça. Des gens sont même sortis pour dire que, pour faire des vidéos, c'est une fille peul, c'est une fille peul. C'est seul les filles peul qui font ça. Les gens sont sortis, mais réminer vidéo là-bas, pour dire que c'est seul les filles peul qui font ça. À partir de là, les gens ont commencé à chercher à nous diviser. Affaire de Baïdi Haribo. Tout le monde a vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. Mais on est tous sortis pour condamner cela. Tous sortis pour condamner. Mais affaire de Fatou Nyeroué, contre un autre cadre, sans aucune preuve, personne ne sort ça. Personne ne soutient l'arme. Ceux qui ne soutiennent pas veulent que Selou échoue. Preuve Yomaï. Elle sort pour parler. Elle insulte. Elle manque le respect. Et la fille Peul qui a mis vidéo de Baïdi, je ne sais pas c'est quelle fille, on ne l'a jamais vu parler sur les réseaux sociaux. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un. Elle n'a jamais parlé.
C'est elle qui a fait vidéo bas. C'est elle qui n'a pas fait vidéo bas. Personne ne connaît la vérité. Mais on est tous sortis pour soutenir Baïdi Haribo. Parce que c'est un cadre de la Guinée. Parce que c'est un responsable de famille. C'est parce qu'il est guinéen comme nous. Que ça soit Peul. J'ai vu mon petit Al-Gim. Un fervent serviteur de l'UFDG. Un membre très actif au sein de l'UFDG. Le petit Al-Gim, il est à Paris. J'ai vu le petit là. Ses parents peuvent l'insulter à cause de Baïdi Haribo. Ses parents peuvent l'insulter à cause de Baïdi. Le petit a dit, il s'en fout. Je vais soutenir Baïdi parce qu'il est guinéen comme moi. Je vais le soutenir parce qu'il est guinéen comme moi. Le petit a dit, chapeau à toi, champion. Mais comme c'est sur ses loups, il n'y a aucune preuve. Il n'y a rien. Tout le monde est ainsi. Tout le monde... C'est-à-dire, les gens sont en train de dire, il va mourir en prison, il est fini, il est rentré sorti, il est tanani, il est nanana. Mais Guinée, est-ce qu'on pourra se développer dans des idéologies pareilles? Est-ce que Ono Maskade Yarema? Ono Maskade Yarema? Est-ce que Ono Maskade Yarema dans ça? On ne peut pas. Tout le monde sait, consciencieusement, que tout ce que la FIFA tout dit sur le président Selou, ce n'est pas des bonnes choses. C'est condamnable. C'est gravissime. Des propos dangereux. Yo, non, dira. Parce que prendre le temps, s'asseoir sur les réseaux sociaux, accuser un tel père de famille, de viol, de coucher avec lui pendant plusieurs fois. Aucune preuve. Elle n'a aucune preuve contre Selou. Elle dit qu'elle a des preuves. Mais preuve Yomuna. Mais personne, ceux qui ne soutiennent pas Selou, vous êtes connus. Parce que pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'il atteigne son objectif. Pour la simple raison que ça. Tout le monde a soutenu Baïdi ici. Si un autre cadre aujourd'hui est accusé de viol d'une autre fille, wallahi billahi tallahi, hein? D'une autre fille Peul, tout le monde va sortir pour dire encore, c'est les filles Peul, c'est les plus Peul. Mais est-ce que depuis que Fatou Nyeloué insulte Selou Dalin, manque de respect à Selou Dalin, qui a fait vidéo pour dire que c'est les filles Peul qui font ça? Qui a fait vidéo pour traiter Fatou Nyeloué de fille Peul? Si ce n'est pas ses parents, je ne parle pas des autres ethnies. Ses autres parents l'ont fait pour dire que vous les Guinéens, itana iraba. Mais qui a fait vidéo ici pour dire dans la vidéo, et vous les Guinéens, vous faites mal, vous faites une lebara, tu es fambara iraba. Qui a fait vidéo? Ne dans la barre. Mais vous, personne n'a fait. Donc. Je veux que mon parti, qu'on laisse tomber les mamaya, qu'on se lève dès maintenant pour chercher le pouvoir en République de Guinée, pour aller au fin fond des régions, prendre des plannings trimestre par trimestre. On prend ce premier trimestre, l'argent qu'on envoie dans les mamaya là, c'est 100 millions, 200 millions, on prend 200 millions, on achète les sacs de riz, les denrées de première nécessité. On dit aujourd'hui étape de zéro courrier. Oui, parce qu'on ne nous écoute pas. On ne veut pas nous écouter. On va donner ici. D'autres vont prendre ça pour faire leur solution. On va dire ça ici. Si nous, on ne le fait pas, Bribet, il n'a pas mané. Si nous, on ne le fait pas, les autres vont le faire. Et où? On prend ce premier trimestre. On dit aujourd'hui, on commence à zéro courrier. La région forestière. On part distribuer 5 ou 10 tonnes de riz avec des denrées de première nécessité. On n'a pas besoin seulement de vous, c'est pendant les élections. On veut unir les Guinéens, on veut montrer que le Guinéen, la première des choses, c'est de manger. Prenons des sacs de riz. Le Guinéen mange. Deuxième trimestre, on part en Haute-Guinée. Troisième trimestre, on part en Moyenne-Guinée. Quatrième trimestre, on part à Basse-Guinée. Ainsi de suite. Quand ça finit, on recommence.
Quand les élections arrivent, vous pensez qu'on aura besoin de se déplacer pour aller jusqu'à Zéro-Corée pour dire aux Zéro-Coréens, votez pour moi, je vais vous donner ça. Non. On n'aura pas besoin de ça. Parce que les Zéro-Coréens sauront déjà qu'on était avec eux avant les élections. Donc, il faut qu'on laisse tout, qu'on active tout pour se préparer à élire notre président. Les gens sont en train de tout faire pour que le monsieur échoue. Les gens sont en train de tout faire pour mélanger les gens. Tant moi, je ne vais pas me mélanger avec les enfants de la basse cour. Je ne me mélangerai pas avec eux. Je ne vais pas les clasher. Je sais que c'est mes frères. D'ailleurs, les gens parlent, qu'on va travailler, va chercher du travail. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Mais regarde, on va expliquer ce que non. Dans la vie, chacun a son boulot. Moi, le travail que j'ai là, vous connaissez les pages là. Moi, ce que je gère, moi, je suis créateur de sites web. C'est ce que j'ai étudié. Et ça, Internet, pour des médias même, des médias que je ne vais pas citer de nom, me paye moi. Et ma page Inara Matoufeki s'est monétisée. Et sans expliquer combien de blogueurs que moi, Gibril, j'ai aidé pour la monétisation, qu'ils sont payés, je ne les ai jamais réclamés un centime pour leur dire, paye-moi ça chaque fin du mois. Mais on a le petit gagne-pain chaque fin du mois, on nourrit nos familles, on vit avec ça. Moi, le président Selou ne m'a pas payé un centime. Adi Alimentou ne m'a pas payé un centime pour faire ce travail. Non. Mbara fala obé. Mbara fala obé. C'est le monde en payerait. C'est le monde en payerait. Je n'ai pas besoin. Mbara fala. Allo, ça sori kamineriki. Non. Au fait, wono ma womboro malidi. Réseau nan naïra. Vous voyez les blancs, tu pars chez les blancs. Il y a des blancs qui sont seulement assis chez eux. Mais ils ont par semaine 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Ils ont 10 000 dollars par semaine. Ils ne sortent même pas de chez eux. Parce qu'ils travaillent avec leur, oui, matériel Internet. Travaillent sur Internet. Mais là, quand tu ne vois pas quelqu'un qui dit qu'il va aller travailler. Moi, j'ai un bon travail. C'est le web. C'est ça mon job. Je n'ai pas besoin de masse ou de détails pour justifier. Non, non. Kamouma Ali, je suis coincé. J'ai des bonnes personnes. Même pour venir au Sénégal. Ce n'est pas l'UFDG, moi, qui a payé mon billet. C'est des bonnes personnes, connaissances à moi, que je ne vais pas citer, non, qui m'ont aidé. Maisons qui m'ont aidé. Jamais de la vie. Parce qu'à un certain moment, l'Internet, e-commerce, il y a des, comment on appelle, des restrictions ou des trucs là, les retards de paiement, parce que c'est virement automatique. On peut céder comme ça. Il y a beaucoup de blogueurs. Aujourd'hui, vous voyez, leurs pages sont monétisées. Chacun reste dans son coin, même des petits. Maintenant, on peut laisser des gens là, mélanger fait les 200, 300 euros. Ça sert à quoi? Non, mon femme, on défend la vérité. Tu as ton propre sieur de front. Je finis de parler là, ma vidéo là, même toi qui viens insulter ici, m'insulter, ton commentaire injure là, je ne suis pas méchant. Il y a des manières de bloquer des gens, c'est-à-dire sans que je te fais dégager de ma page. Je signale seulement ton commentaire, je clique sur ton commentaire, je signale Facebook, bloque ton compte que tu gères, ton compte personnel, Facebook la bloque pendant d'abord 3 jours. Tu ne peux pas appeler sur Messenger, tu ne peux pas commenter, tu ne peux pas liker. Tu reviens encore sur ma page, tu commentes, je signale ton commentaire. Facebook, il te sanctionne une semaine. Troisièmement, il te coupe ton compte là, Alima. Ton compte là, tu gères ça depuis pendant plusieurs années. Tu as des amis sur ça. Tu recommences à zéro. Maintenant, les gens là veulent nous mélanger. Ils veulent qu'on soit mélangé.
C'est pas, je ne veux pas dire si je vais sortir là, on dit il y a quelqu'un qui a fait vidéo sur moi, me traiter de tout. Je n'ai pas besoin de ça pour dire, non, ministre, je crie sur ça. Je dis, hey, tu as dit ça sur moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai dépassé ce stade. Non, 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 non. Personne ne pourra manipuler la jeunesse sous Moutagnawori. Personne ne pourra manipuler la jeunesse sous Moutagnawori. Amoulamfe. On ne rentrera pas. En tout cas, moi, je rentrerai dans aucun jeu des jeux. Celui qui m'a clashé là, c'est un frère à moi. On parle. Il y a un moment, il voulait même rejoindre l'UFDG. C'est un ami. Bon, tout ce qu'il a dit là, ça va, c'est bon. Moi, je n'ai pas besoin de ça, de dire s'il a raison ou s'il ment. En tout cas, tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui et Dieu. En tout cas, mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Enfin, la fille, parce que j'ai dit, je vais faire live à 14h. Les gens pensent que je vais venir pour clasher, sortir, parler de ça. Non, non, non. Je veux que, enfin, qu'on s'évolue de nous-mêmes. Vous voyez, il y a des gens, quand on fait des lives, ils prennent nos vidéos, ils mettent sur leur page. C'est parce qu'ils sont monétisés. Les gens là sont assis dans leur maison. Ils ne sortent nulle part. Quand on a un live, ils prennent le temps là. Ils enregistrent le live là. Ils balancent sur leur page. Facebook les paye chaque fin du mois. Minimum, minimum, ils ont les 2 000 $. Hey, minimum, minimum, ils ont les 2 000 $ chaque fin du mois. Minimum. Ils ont les 2 000 $. Vous voyez tous les pages là. Quand tu vois ma tête ici là. Après moi, ça m'a dit tout mon liberté. Mais là, pourquoi? Mais la Guinée, beaucoup de gens, on a fait écolo, on a système, ou bien les gens disent qu'on n'a pas besoin de ça. Non! Toute chose qui est rentable, on a besoin de ça. Parce qu'on a pris notre temps de rester sur ça. Donc, et que ça, c'est normal. La monétisation, c'est normal. C'est normal parce qu'on prend notre petit temps de s'asseoir, de vous informer, de réconcilier le pays, de parler avec nos militants. Donc, la moindre des choses que nos militants, vous pouvez faire pour nous, c'est de partager nos lives là, de regarder nos lives là, de regarder nos vidéos là, de partager tout ça. Même si on gagne 100 000 $ par mois, oui, ça aussi c'est votre contribution. Alors, donc, moi Djibril, j'ai étudié dans l'école, je dis bien, à Brest. L'école de la nouvelle technologie à Brest. Et nous guérir encore si, quand tu finis, tu vas sur Google, tu tapes. J'ai étudié les NTIC là-bas. Je suis ingénieur en informatique. C'est ce que je connais. Tout le monde qui connaît ingénieur en informatique, on sait que lui, il est assis à la maison. Il travaille avec son ordi. Il travaille avec ses tablettes, il travaille avec ses laptops, il travaille avec ses téléphones. Je te crée un site en un laps de temps. Je peux même te créer des applications tout de suite là. Tout de suite là. Donc on n'est pas là pour se cacher ou pour se dire ceci, pour rentrer sortir comme ça. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux que tous les Guinéens, ensemble, on se réconcilie, on puisse avancer ensemble pour l'intérêt général de notre pays, pas l'intérêt d'un groupe. Mais parce que moi, Maïbori, non. Quand on se dit ça, à la Wouma Libanais, on va s'avancer. Mes téléphones que vous voyez là, j'ai l'iPhone 13 Pro Max. C'est combien de gigas? C'est 250 gigabytes. Je l'ai payé avec l'argent de mon Facebook. L'argent de mon Facebook, il faut nommer Saradé. Je fais le live avec l'iPad Pro M1. iPad Pro M1 2021. Voilà. Il nommer Saradé. Et tu peux. Tu laisses tout. Et moi, quand t'es sur toi-même. Oui. L'Internet, ça apporte de l'argent. Pas seulement Facebook. Il y a les sites à créer. Il y a des trucs à faire. Un point, c'est tout. Oui. Et les gens disent, ah, on le voit avec des trucs de luxe, du tout. Non, c'est parce que je veux du bon boulot. C'est pourquoi j'achète les matos chers. Oui. Je fais mes vidéos avec mon 13 Pro Max, mon M1 qui est là, et il y a mes laptops qui sont là. J'ai un HP ici, j'ai un MacBook Pro, Retina. Oui.
Je travaille avec ça, je gère des sites avec ça, des médias avec ça. Les médias que vous voyez là, hein, je gère avec ça. On est nombreux dans ça. Donc, par la grâce d'Allah, que Dieu ouvre nos esprits, que Dieu ouvre nos, comment on dit ça, nos réflexions, qu'on voit loin. Parce que nous, aujourd'hui, on a vu loin. On n'a pas vu aujourd'hui. On voit loin. Loin. Très, très loin. Loin. Très, très, très loin. C'est dans ça que le Guinéen peut se décourager. C'est dans ça que le Guinéen peut se développer. Et c'est même ça. Même ceux qui ne m'aiment pas, là, tu peux m'appeler ou tu passes par quelqu'un. On peut t'aider à te monétiser. On peut t'aider à te créer des sites web. Parce que même quand tu tapes sur Google, tu vas regarder sur Google, il y a des manières de gagner de l'argent. Mais les Guinéens, on ne connaît pas. Si moi, je suis parti en France, j'ai étudié dans l'une des écoles de Antique, je connais toutes ces choses-là. J'ai aidé certains. Mais je n'ai pas besoin d'un fanat de réseau, je sais ça, venez, non. Une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Alors, on a l'Irabi. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais moi, je ne vais pas rentrer dans aucun clash sur les réseaux sociaux. J'ai dépassé ce stade-là. Je suis trop haut de ça. Matinabé. 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 Les têtes de mort. Les commentaires négatifs, à Billing, à Fan Facebook, ben, demandez les gens qui sont monétisés. Et maman s'est morbé, maman pas. Jamais. Donc, je vais lire quelques commentaires. Les cabas et autres, là, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés, mais on est des frères. Les Condé et autres, là, vous êtes fâchés, mais on est des frères. Par exemple, moi, j'ai plusieurs pages. J'ai des pages même que vous ne savez même pas que ce sont mes pages. J'ai des pages que je gère. Il y a d'autres options aussi. J'avais une page, Djibril Agit officiel. Quand vous finissez de regarder ce live, allez-y, dans votre Facebook, vous tapez Djibril Agit officiel. Vous allez voir, c'est écrit entrepreneur. Cette page-là. Vous allez voir, Djibril, attendez, je vous montre. Tu peux créer une page. Tu crées une page. Tu laisses la page active. Tu fais des publications un peu dessus. Vous voyez, c'est la Djibril Agit officiel. Ça va sortir entrepreneur. J'ai vendu la page là. Je l'ai vendue aux Canadiens. Un des petits qui est au Canada, montant forte somme d'argent. Je l'ai vendu simple comme ça. Je suis sur Facebook, je crée une page, j'ai vendu la page cher. On peut se faire d'argent comme ça. Il nous manque, tu peux te faire d'argent comme ça. Hein? Tu peux te faire d'argent dans ça. Ben nous, on a compté Mirine des mains, tant, envoie-moi ça. Non, va, tu tapes Djibril Agit officiel. Tu verras la page. Tout de suite là. Tu vas voir. Mais la page ne distribue pas. La page ne publie pas. Mais la page travaille. Voilà. Et là, quand on divise des, on peut s'aider. On peut s'aider. Moi, en tout cas, je suis prêt à vous aider. Pour que vous gagnez de l'argent. Tu es assis chez toi tranquillement. Tu ne sors même pas dehors. Tu es assis chez toi. Les gens se demandent, mais comment lui, il gagne de l'argent? Tu es assis chez toi, l'argent vient dans ton téléphone, boum! Oui, les blancs, c'est ça le développement. C'est ce qu'on appelle le 21e siècle. C'est ce qu'on appelle le 21e siècle. C'est ça qu'on appelle le 21e siècle. Hein? C'est ça mon travail. Ndodoriki, j'ai mon MacBook. Mon laptop, je gère des sites avec ça.
Mais si, fin du mois, minimum, dondoron tidina en somaï, je nourris ma petite famille dans ça. Si j'ai des retards, je demande de l'aide à des bonnes personnes qui sont très proches de moi. Yo, c'est comme ça, parce que Birin Noma est ma bonne idée. Mais le parti Selou Dalé, ou sa femme, depuis que moi je suis ici au Sénégal, ma fala de na konakri, ha yalima tu kobri dondoron tifouma. Mais rabara tongo souli fouma. Nsali na randa pama, ngari na randa pama, ala naka. Ala naka tongo. Hein? Ala naka tongo. Je peux aller même loin pour vous. Même loin. Je n'ai pas besoin de tout ça me justifier. Non. Mais pour réconcilier mon pays, je suis prêt à tout. Je peux prendre le Coran tout de suite. Je jure sur le Coran. Kaseluda lembara tongo souli funtama. Que vient à Sénégal. Il m'a donné un centime. Je vis de mes ressources, moi. Si je suis coincé, il m'aide. Voilà. C'est comme ça. Je peux même prendre le Coran. Je jure. Comme je connais trop, hein, le matos, ce qu'on appelle les intiques. Là, tout de suite, moi, tu me mets dans les opérateurs téléphoniques en Guinée. Bouffe. Je te donne l'internet. Oui, je te donne l'internet à moindre coût. Oui, je te donne l'internet à moindre coût parce que l'arnaque que Orange fait, ça ne coûte rien du tout. C'est une tête qui est là, moi. Une tête. On a été pour des réseaux là, ce qu'on appelle les hacks. Quand les sociétés de téléphonie mobile ont besoin d'argent, ou à Conakry, vous savez à Conakry, tu vas voir ton argent qui était dans ton crédit, ça a diminué. Ou bien tu mets les crédits, ce n'est pas tous les crédits qui viennent. Ça, c'est des hacks. Ou tu achètes Internet, au bout de quelques minutes, on dit ton Internet est fini. C'est du hack. Tout ça là, on peut stopper tout ça là chez nous. Non, on a stoppé des... On peut stopper tout ça là. Moi, j'ai cette capacité intellectuelle. Je suis ingénieur informatique, technicien de base. Oui. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce qu'on appelle numéricable, qui est devenu plus tard SFR. Moi, j'ai fait mon stage là-bas, numéricable, en France. J'ai fait mon stage là-bas. Donc, je suis une tête. Aujourd'hui, si à moins d'années là nous. Si j'ai plus de moyens, je vais créer une société de téléphonie mobile, moi. J'ai les capacités intellectuelles. Je connais ce que c'est quoi. Ouais. C'est ça. Donc, on a besoin de se réconcilier. On a besoin d'avancer ensemble. On a besoin de développer notre pays. On a besoin, surtout, la mission du CNRD. C'est la réconciliation. Miriomu on divise moi. Miriomu on bakuma wombore. Miriomu on divise moi. Oube wumu bakuma wombore. Miriyo rafera. On doit préserver l'unité nationale de notre pays. Khalimou qui a dit c'est oube Khalimou Khonon. Tu peux m'appeler Ngreli. Si tu as besoin de gagner de l'argent dans ton billet internet, je peux t'aider. Si j'ai les capacités, je peux t'aider. C'est aussi simple que ça. Mais Afrique, il redore Afrique, mais nous n'avons pas monétisé. Parce que la monétisation, il n'y a pas l'Afrique qui est dedans. La monétisation, si tu es en Afrique, seulement que tu as quelqu'un en Europe, la personne peut te monétiser. À partir de là-bas. Mais l'Afrique n'est pas dedans. Mais ça rapporte. Facebook fait gagner de l'argent aux gens. Regardez Mansour, regardez les Ivoiriens. Regardez les Ivoiriens, les Bravador, Sarah Messan, hein? Comment on appelle la fille de la femme de Grampé, comment elle s'appelle? Edoxy, tout ceci là, les Ivoiriens, Biri, ils vivent de ça. C'est leur réseau là qui le fait vivre. On peut aussi vivre de ça. On ne compte sur personne. Donc, comme je parle là, Adialima, tu es en train de me regarder. Demande-la si elle m'envoie même ton gosoli ici pour dire, Djibril, il faut prendre ça. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais par amour pour mon pays. Par
d'amour pour mon pays. Par amour pour mon pays. Donc, réconcilions notre pays. Avançons ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Dans la paix et la cohésion sociale. C'est dans ça que Dieu peut sauver notre pays. Alors, on sauve Manakine. Alors, on sauve Manakine. Voilà. Donc, voilà, tu vois, il y a l'autre gars qui dit j'utilise Internet gratuitement. C'est des méthodes pareilles là. Nous, on part au pays. On a des connaissances pareilles. On a étudié ça. On rentre sur le réseau. Je te donne Internet gratuit. Billahi wallahi talai. Billahi wallahi talai. Moi, je te donne Internet gratuit. Parce que c'est là. Un pays en paix. Donc, frères et sœurs guinéens, Al-Raou Mali, Al-Raou Lan, Al-Raou Nafa ou Bouroum, Al-Raou El Kobi Makou Yawouna, Al-Raou Barbouri Yara Sabati, Nere Wama Wouna Kala Al-Raou Makou Yawouna, Al-Raou Fangar El Masara. Ceux qui ne veulent pas qu'on se réconcilie, qu'Allah fasse que leur idée aussi change pour venir sur la réconciliation. Parce que la réconciliation, ça ne va pas arranger certains. Ceux qui ne veulent pas qu'on se réconcilie, qu'Allah fasse qu'on se réconcilie. C'est très très important. Mais aujourd'hui, le monde est tellement développé que tu peux t'asseoir chez toi, tu gagnes plus que celui qui se lève pour sortir, aller travailler pendant toute la journée, tu gagnes plus que lui. Seulement sur l'Internet. Seulement sur l'Internet. Donc, c'était ça. Bonne journée. Demain, c'est notre civil national qui joue. Bonne chance à eux.